Cette zone est vraiment dans un sale état. Voilà ce qui arrive quand le fléau se rapproche. Plus personne ne vient par ici. Ces terres ne sont désormais plus habitables. Le hameau qui se trouve plus loin est tombé à l'abandon. En avant. C'était vrai. Il y a bel et bien des gobelins. Continuons. Faut inspecter le périmètre. Les ruines du hameau. Seigneur, prudence. Sans surprise. Ah yeah. Tu l'as cherché. Et voilà. T'allais pas me chercher.
Ah. Prenez garde. Certains d'entre eux maîtrisent la magie. Et il y en a un paquet. Faut qu'on se les partage, Tyler. Et voilà la démonstration, seigneur. La place du village se trouvait par là à l'époque. J'ai quand même un mauvais pressentiment là. D'accord. C'est un piège. Seigneur ? Oui, j'ai remarqué. Leur chef est là. Mais on va commencer par s'occuper des autres d'abord. On se relâche pas, Wade. T'inquiète, tu peux compter sur moi. C'est fini. Parfait, seigneur. Belle démonstration, seigneur. C'est terminé. Il reste plus que celui-là. Merde! Il a ramené des renforts! Relève-toi vite, Wade. Préparez-vous! Quelle force! Il faut qu'on évite ce coup! Esquivez si vous voyez qu'il en amorce un autre! C'est bon, j'ai compris. Et non! C'est pas ça qui vous fera tomber! Ah!
Et ne reviens pas. Regardez, il s'enfuit, le lâche! On le suit. Il ne faut pas qu'il rejoigne les autres. Le voilà! Ah, saleté! Fais tes prières. Mais qu'est-ce qui... Oh punaise, on est mal! Morpol, qu'est-ce qu'il fait là? Le souffle des Morpols est corrosif. Attaquons-le sans prendre trop de risques. Oh, ça trosse! Surtout, évitez de rester devant sa gueule! Qu'est-ce qu'il fiche ?
Je sais pas, mais je crains le pire. N'y compte pas. Qu'ils se reprennent. Laissez-moi panser vos blessures. Merci. Attention, il nous refait le coup. Je ne me laisserai pas faire. Tu vas voir. C'est le moment, faut s'acharner sur lui. Oh, yeah. On dirait qu'il a un coup de mou. C'est le moment. On le fonce. Oh, ya, ya. Je dois faire mon devoir. Je me sens bien. Tenez,
Merci. Je n'en reviens vraiment pas. Qu'il y ait des gobelins sur nos terres passe encore, mais même un Morbol. Je demanderai à Sa Majesté d'envoyer des troupes. Si on ne les arrête pas maintenant, ils pourraient faire beaucoup de victimes. On devrait repartir. Il fait pas bon rôder par ici la nuit. Si on part maintenant, on peut être au Fort Phoenix avant la tombée de la nuit. Tout à coup, on s'est retrouvés encerclés. Et là, c'est pas fini, attendez, vous allez pas le croire. À ce moment-là, Clive a brandi son épée. Tchac ! Et après ça, ces saletés de gobelins, ils ont voltigé dans tous les sens. À boire ! La suite ! Allez, buvez et profitez-en. Ce soir, on oublie tout. Ça doit te faire plaisir de voir un de tes disciples à l'honneur comme ça. Je suis sûr qu'il va devenir quelqu'un plus tard. Oui. La prochaine fois, on devrait le convaincre de boire avec nous. Ça ne va pas ? Si, père. Je suis juste fatiguée. C'est vrai. La journée fut longue. Ils sont fiers de Clive, n'est-ce pas ? Oui. Ton frère est devenu un vrai gardien. Moi-même, je suis fier. Père ? Dans notre pays, les émissaires naissent toujours dans notre famille. Je ne comprends pas pourquoi. C'est que sans les cristaux, les hommes ne peuvent pas vivre. Mais il faut aussi que quelqu'un leur transmette ce pouvoir. Ce quelqu'un, c'est toi, Joshua. Ton destin en tant qu'émissaire est de canaliser le pouvoir du primordial. Notre famille a pour rôle de partager ce bienfait avec le peuple. Tel est notre destin. Je vous entends pas ! Plus fort ! Je vais prendre l'air un moment. Nation fidèle, unie par les flammes.
Tu m'as encore suivi discrètement. Tu te vois déjà comme un allié de taille, hein? Je me demandais où tu étais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas au banquet. C'est l'unique moment où les gardiens ont un peu de répit. Et j'ai jamais vraiment aimé les fêtes. En plus, ils ont servi des carottes. Il paraît que t'as tué un Morbol. Tout le monde te voit comme un héros. Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup me voient encore comme le canard boiteux de la famille royale. Il fallait au moins que je sache me battre, sinon je leur donnais raison. Et je ne veux pas être un prince bon à rien. C'est en toi qu'ils croient tous. Je t'envie. Non, c'est pas vrai. Ils ne croient pas en moi. C'est mes pouvoirs d'émissaire qu'ils admirent. Tu incarnes Phénix, l'oiseau de feu immortel. C'est pas juste. Ça t'irait bien mieux. Je ne suis pas assez brave pour mener notre pays. Je n'en ai pas le cran. Toi, tu pourrais. On a chacun notre rôle dans la vie. C'est une tradition ancienne. Notre peuple a décidé que l'émissaire deviendrait archiduc et dirigerait Rosalia. Depuis ce temps-là, chaque fois que notre nation s'est trouvée face à un danger, Phénix a toujours surgi des flammes pour nous redonner espoir. Le destin de Rosalia est lié à celui de l'émissaire. C'est à toi qu'il incombe de nous protéger. C'est ça, mon destin. J'ai la bénédiction de Phénix. Mon rôle de gardien est de te protéger, toi. Je défends le futur archiduc. Nos destins sont liés. Tu pourras toujours compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci, Clive. Ça me rassure de t'avoir avec moi. Mais pour ça, il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. D'accord ? Alors je vais rentrer. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Talgor. Ravitaillement de la capitale. C'est pas trop tôt, vous avez mis le temps, dites donc. J'ai cru que c'était encore un de ces convois de marchands ambulants qui veulent nous refourguer leur vin. Ah, ils nous lâchent pas en ce moment. Mais qu'est-ce que...
Tout est prêt, capitaine. On procède comme prévu. Pardonnez-moi, Altesse. C'est moi, Wade. Excusez cette intrusion, mais... Ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? On nous attaque. J'ignore qui ils sont, mais ils ont mis le feu à plusieurs endroits du château. Je vais vous emmener vers une porte dérobée. Très bien. Allons-y. Je vais vous guider. Est-ce que l'ennemi est déjà dans nos murs? Oui, les dégâts sont importants, Votre Altesse. Qu'est-ce qui se passe? Je passe devant. Il y a le feu partout. Reculez! Ce sont des unités ennemies! Non! Je dois faire mon devoir. Question de me laisser vaincre! Heureusement, vous n'êtes pas blessé. Tous à la fête. Et ils s'amusaient. C'est les couleurs de Sambrec. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on trouve mon père. Combien ils sont? Sambrec est pourtant notre allié. Je ne comprends pas. Tiens, Félix. Tyler. Ah.
sang. Ça a l'air grave. Je peux le soigner. Votre Altesse, je... Ça ira. Je me charge de vous guérir. Je vais m'en occuper. Clive! Joshua! Tu vas bien? Tyler, tu es blessé. Ce n'est rien. Grâce à Sir Joshua. Majesté, mon général! Tu as sauvé son Altesse. Beau travail, Wade. Je n'oublierai pas votre geste. Merci, Majesté. Oh. Il ne faut pas rester ici. Sortons vite par l'arrière. Omia Lastelan, Tuissa Gelis. Pourvu qu'il arrive à temps chez les nôtres. L'artifice et les mystères se sont échappés. Retrouvez-les ! Allez à la porte nord. Vous y trouverez des montures. Père, emmenez Joshua dans un endroit sûr. Non ! Il faut que tu viennes avec nous ! C'est toi qui dois me protéger, t'as promis! Justement, c'est bien pour ça que je vais les retenir, pour que tu puisses t'échapper. Les survivants vont se regrouper à la porte nord. Partez! Je dois faire mon devoir. Et toi, tu dois faire le tien. Oui, je sais. C'est toi qui dois protéger Père. Je compte sur toi, Joshua. C'est terminé. Cet empire sera victorieux. C'est pas vrai.
capitaine. Tuez-les. Ne les laissons pas fuir. À tes ordres. Clive, tu t'occupes du mage. Moi, je vais gérer les autres. Allez, pas me chercher. Je ne prends pas mourir. Tu t'es bien battu. Pas de blessure. Ça va. Mais je suis inquiet pour mon père et mon frère. Pressons le pas. Ne croyez pas toujours m'échapper. Un chevalier dragon impérial. Tu es le gardien flamboyant béni par Phénix. Ma lance va te refroidir. Roland. Va te rater. Attention. Bon sang, il est agile. Allons, va te transpercer. Attends, Clive. Ça peut servir. Au Saint-Empire. Est-ce que tu es blessé? Ça va.
Ils ont envoyé un chevalier dragon. Ces maudits impériaux. Ils veulent déclencher une guerre ou quoi? Je ne pense pas. Il y aurait eu plus d'hommes. Ils ne voulaient pas prendre le fort. Ils avaient une autre idée en tête. Quoi qu'il en soit, nous devrions rejoindre mon père. Kyle, regarde. Ce sont les insignes rosaliens qu'on a distribués avant le départ. Il y a des traîtres dans nos rangs? Et s'il y en a d'autres? Mon père et mon frère sont en danger. Ansel, tout de suite! C'est quoi ce bruit? Je suis si content. Majesté, tout va bien? Personne n'est blessé? Pour l'instant. Rentrons à Rosalys, rassembler nos forces. Il est impératif de protéger Joshua jusqu'à la ville. Ansel, Joshua. Je regrette, Majesté, mais pour vous, le voyage s'arrête ici. Bande de sales traîtres! Reculez, sale fou! Cours, Joshua, vite! Non! C'est Phoenix? Joshua! Mon général! C'est son Altesse! Joshua! Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive plus à se contrôler. Il faut que je l'aide! Non, Clive! C'est dangereux! Clive! Ambroisie, tu m'as sauvé. Relevez-la et partez. Vite! Joshua, tu souffres? C'est pas le moment! Bon sang! Je dois le sauver!
Je suis son gardien. Je dois... Clive ? Mais qu'est-ce que... Un autre primordial de feu ? Mais c'est impossible !
Les flammes de Phénix brûlent pour sauver son peuple.